On m'entend bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous allons, si vous le voulez bien, démarrer ce premier cours d'anatomie générale qui sera aujourd'hui consacré à l'anatomie générale du système nerveux. Système nerveux qui représente le principal système intégrateur de l'organisme, l'autre grand système intégrateur étant le système endocrinien. Système intégrateur, c'est la fonction qui permet d'intégrer des informations qui sont issues du milieu extérieur ou du milieu intérieur, de les intégrer et d'en produire une réaction. Par exemple, je vous ai parlé d'anatomie générale du système nerveux, vous avez une réaction de contentement que vous avez vocalement exprimée. C'est exactement cela. Alors, le système nerveux comprend trois parties que nous allons mettre en place. Alors, bien sûr, c'est un cours d'anatomie générale, c'est-à-dire que ça n'est pas de l'anatomie descriptive, nous n'allons pas décrire morphologiquement précisément chaque partie, ça ce seront les cours du professeur Frégé. Nous allons plutôt mettre en place une anatomie de système pour vous donner les grandes définitions qui, j'espère, vous suivront tout au long de vos études et tout au long de votre vie professionnelle, car en effet, la connaissance de ces grands principes, de ces grandes fonctions du système nerveux, constitue la base de l'examen clinique en médecine. Nous avons donc, dans le système nerveux, trois grandes parties. Le système nerveux central, le système nerveux périphérique somatique, c'est-à-dire constitué par les nerfs et ganglions périphériques qui vont contrôler les fonctions volontaires. On parle également d'ailleurs de système nerveux volontaire ou de système nerveux de la vie de relation. Et puis, une dernière partie est constituée par le système nerveux végétatif ou système nerveux autonome qui constitue l'ensemble des structures nerveuses permettant de réguler le fonctionnement du milieu intérieur, des organes et échappant au contrôle de la volonté. Le système nerveux central représentera donc le premier élément auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Et le système nerveux central, comme certains d'entre vous le savent probablement, est constitué de structures dont la totalité sont situées à l'intérieur d'enveloppes qui les recouvrent, les méninges. Le système nerveux central est donc entièrement intra-méningé. Le système nerveux central comprend, par définition, une partie qui vient se placer dans la boîte crânienne, dans la tête, dans la cavité crânienne. Il s'agit de l'encéphale, encéphale signifiant situé à l'intérieur de la tête, l'encéphale comprenant le cerveau, le tronc cérébral qui est situé sous le cerveau, et enfin le cervelet ou petit cerveau que l'on trouve en arrière et en dessous du cerveau. Cerveau, tronc cérébral et cervelet constituent l'encéphale, partie la plus crâniale, la plus haute du système nerveux central. Plus bas, ce système nerveux central se prolonge par la moelle spinale, qui constitue un cordon de tissu nerveux situé au sein de la colonne vertébrale qui va la protéger.
Ce cordon de tissu nerveux, constitué par la moelle spinale, constitue une structure extrêmement grêle, puisque, là je la représente de façon très agrandie, c'est une structure qui va peser à peu près 30 grammes, au contraire de l'encéphale, qui va constituer la partie la plus importante du système nerveux central, constituant une masse d'un kilo cinq en moyenne dans l'espèce humaine. Comme évoqué au début du cours, l'ensemble du système nerveux central est intraméningé, c'est-à-dire qu'il est totalement recouvert d'une enveloppe fibreuse que constituent les méninges et leurs trois feuillets qui vous seront enseignés plus tard dans le cadre des cours de neuroanatomie. Système nerveux central. Alors, ce système a une forme très particulière et pour bien comprendre la morphologie et fine, précise, qui vous sera enseignée plus tard, il faut se rappeler que sur le plan embryologique, toutes ces structures dérivent au départ d'un tube creux qui est le tube neural. Ce tube dont on va représenter un segment pour bien comprendre de quoi il s'agit, ce tube creux dérive du même feuillet de l'embryon. Je sais que vous n'avez pas encore vu l'embryologie. Ce tube creux, tube neural, dérive du même feuillet qui va constituer les enveloppes externes de l'organisme, l'ectoderme ou ectoblaste. Creux, il est entouré par du tissu qui va constituer les futurs méninges, les enveloppes externes du système nerveux central, ce que l'on peut représenter comme ceci, et sa lumière interne, sa cavité interne, va être tapissée d'une fine membrane qui est la membrane de l'épandyme, venant cloisonner les cavités internes au tube neural dans laquelle on va retrouver du liquide qui constituera le futur liquide cérébrospinal intracérébral. Bien. Alors ça, il faut toujours vous rappeler de ceci. Tout au départ se constitue à partir d'un tube creux, le tube neural. Pour ce qui se passe au niveau de la moelle spinale représentant le modèle d'évolution le plus simple du système nerveux central. Et en coupe, les parois du tube neural vont progressivement s'épaissir. L'épaississement des parois du tube neural venant constituer le futur tissu cérébral. On retrouve toujours en périphérie du tube neural en coupe les futurs méninges et à l'intérieur la cavité primitive neurale, toujours tapissée d'épandyme et circonscrivant un espace liquidien, va petit à petit se rétrécir pour finir par disparaître complètement. Si l'avant est orienté vers le haut du tableau et la droite vers moi, la coupe étant représentée en vue inférieure, telle que
vous le verrez plus tard sur des IRM ou des scanners, eh bien, la partie antérieure du tube neural constituera ce qu'on appelle la lame fondamentale et sera dédiée à des fonctions motrices. Alors que la partie postérieure du tube neural constituera les lames alaires, ayant une signification sensitive. À la jonction entre les lames, entre la partie motrice, somatomotrice, c'est-à-dire volontaire, et sensitive en arrière, se place de chaque côté deux zones de tissu nerveux qui seront dévolues aux fonctions végétatives. Alors, ce modèle très simple et très précoce d'organisation de la moelle va vous expliquer, chez l'adulte, la systématisation de la moelle telle qu'elle vous sera enseignée un peu plus tard. Concernant l'extrémité supérieure ou rostrale du système, enfin, du tube neural, ce qui va former le futur cerveau, le tube neural va présenter des augmentations de volume, des dilatations, venant constituer des vésicules cérébrales. Un premier stade étant le stade à trois vésicules à la partie antérieure du tube neural que nous sectionnons ici. La première vésicule, la plus antérieure, formant ce que l'on appelle le prosencéphale. La vésicule moyenne, le mésencéphale. Et la vésicule la plus inférieure, formant le rhombencéphale. Prosencéphale, mésencéphale et le rhombencéphale. Le tube va se dilater en étant toujours creux à l'intérieur. À un stade un peu plus avancé du développement, aux dépens de la vésicule prosencéphalique et de chaque côté, vont apparaître deux vésicules formant les deux vésicules télencéphaliques, le télencéphale. Deux vésicules, droite et gauche, qui vont un peu comme des oreilles de Mickey, se développer aux dépens du prosencéphale, dont la partie résiduelle formera le diencéphale. Télencéphale et diencéphale sont donc au total trois vésicules développées à partir du prosencéphale. Et vous voyez, vous avez deux vésicules télencéphaliques qui vont en réalité constituer les deux futurs lobes ou hémisphères cérébraux. Le mésencéphale reste donc dans la continuité du diencéphale et la vésicule rhombencéphalique va elle-même se diviser en deux vésicules formant le métencéphale puis le mielencéphale. Ce sont donc des structures qui vont participer à la constitution du futur tronc cérébral. Stade à 5 vésicules, en fait 6, puisque la vésicule du télencéphale est double, une droite et une gauche, comme les deux futurs hémisphères. Toutes ces cavités restent en continuité. Elles sont creuses. Et si l'on réalise une coupe sagittale, une coupe antéro-postérieure qui passe par un tube neural au stade de 5 vésicules,
on verra sur la ligne médiane la section du diencéphale, dans le prolongement duquel se placera le mésencéphale, puis le métencéphale et le mielencéphale, qui se prolongent par le tube neural distal, venant constituer, comme on l'a vu tout à l'heure, la future moelle spinale. Et dans la lumière du diencéphale, nous pouvons voir ici l'orifice d'entrée qui permet de passer de la cavité diencéphalique, on peut le matérialiser comme ceci par cette flèche, vers la vésicule du télencéphale. Tout ceci étant, toutes ces cavités étant bien sûr recouvertes par la membrane ependymaire, et tout cela devons vous faire rappeler que les cavités intracérébrales qui dérivent d'une cavité unique qui est la lumière du tube neural restent toujours en continuité. C'est ce qui vous explique la circulation du liquide cérébrospinal dans les ventricules cérébraux qui vous seront décrits un peu plus tard. Enfin, pour terminer, un point d'embryologie à propos du cerveau. Et si l'on représente cette fois-ci une coupe frontale qui passerait par le diencéphale et les deux vésicules télencéphaliques, cette coupe vous montrerait, centrée sur le diencéphale, eh bien, comment toutes ces vésicules crâniales vont fusionner pour venir constituer le futur cerveau. Vous voyez ici le diencéphale avec sa cavité diencéphalique remplie de liquide cérébrospinal. Nous pouvons placer au-dessus la section frontale des deux vésicules télencéphaliques, donc les deux futurs hémisphères cérébraux, à un stade encore non fusionné. Là aussi, ces vésicules sont creuses et à l'intérieur d'elles, tapissées par la membrane ependymaire, va se trouver le liquide cérébrospinal. Les deux vésicules du télencéphale, qui sont donc des bourgeons qui partent du diencéphale, vont à un stade un peu plus tardif fusionner, s'accoler, formant un accolement télencéphalo-télencéphalique, ce qui va venir constituer le système de communication des deux hémisphères cérébraux. Vous savez que les deux hémisphères communiquent. Ils communiquent par des structures que l'on appelle les commissures. Et ces commissures, la plus importante d'entre elles étant le corps calleux, eh bien ces commissures se forment par fusion des deux vésicules télencéphaliques primitives. D'autre part, je sais qu'on a toujours un hémisphère dominant, mais enfin je vais essayer de représenter les choses de façon un peu plus symétrique. D'autre part, chaque vésicule télencéphalique va de même fusionner, s'accoler avec le diencéphale au niveau d'un accolement télencéphalo-diencéphalique, ce qui achèvera de constituer le futur cerveau. Et vous reconnaissez déjà ici, à un stade très précoce, la future coupe frontale, coupe de Charcot. Bien. Ce petit point d'embryologie est important parce que plus tard, quand vous apprendrez l'anatomie en détail du cerveau, pour comprendre
pourquoi on a, par exemple, en plein cœur de la masse cérébrale, un petit peu de structure extracérébrale, c'est la fameuse fissure transverse du cerveau, décrite par Bichat, la fente de Bichat, pour ceux qui ont déjà fait le cours avec, donc l'année dernière, ou encore, ça permet de comprendre comment les ventricules, donc les cavités intracérébrales situées dans les hémisphères, ventricules latéraux, donc les ventricules du télencéphale, communiquent avec les cavités qui sont médianes et qui sont situées au niveau du tronc cérébral. Voilà pour quelques mots de morphologie externe, de mise en place et quelques mots de développement du système nerveux. Si l'on s'intéresse à présent à la structure du système nerveux central, pour cela, nous avons trois niveaux d'organisation, du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est la moelle, puisque la moelle constitue un développement longitudinal et harmonieux d'un tube qui va progressivement s'épaissir. Puis, quand on monte dans l'encéphale, et compte tenu des phénomènes embryologiques complexes qui s'y développent, apparition de vésicules qui vont augmenter de volume, et alors, je vous ai épargné des phénomènes de plicature, puis de déplicature de l'extrémité antérieure de l'embryon, qui font que, eh bien, les structures très simples de la moelle vont se complexifier de manière très importante, alors qu'en réalité, l'organisation du tronc cérébral et de la moelle sont strictement identiques. C'est simplement que le mode de développement, le mode d'embryogenèse, va complètement dissocier des structures qui sont longitudinales au niveau de la moelle. Et enfin, au niveau du cerveau et du cervelet, on a là un modèle d'organisation encore plus complexe, lié bien sûr à la complexité des fonctions cérébrales, propres en particulier à l'espèce humaine, les fonctions cognitives. Pour comprendre l'organisation la plus simple du système nerveux central, nous pouvons réaliser une coupe horizontale de la moelle spinale, cette fois-ci chez l'adulte. Cette coupe horizontale, nous l'orienterons ventralement vers le haut et la droite sera située donc sur la gauche du tableau. Ainsi, cette coupe horizontale sera en vue inférieure. Apprenez à voir, à lire les coupes en vue inférieure, puisque dans toute votre vie professionnelle, toute l'imagerie en coupe sera présentée de la même manière, en vue inférieure, toujours. Cette moelle, nous allons représenter seulement une demi-coupe. Vous avez ici l'axe antéro-postérieur. Nous représentons ici le contour externe de la moelle spinale qui s'inscrit dans un ovoïde présentant à sa surface des reliefs qui vous seront expliqués plus tard, je n'entre pas dans les détails. Alors la moelle, il faut savoir que ça fait 30 cm de long, c'est 1 cm de diamètre, donc c'est à peine mon petit doigt, mon auriculaire. C'est plutôt mou en texture et donc extrêmement fragile. Et bien entendu, cette représentation de moelle-là, en fait, représente un modèle extrêmement agrandi. Hein. Rappelez-vous, une moelle spinale, c'est tout petit. C'est votre index, votre petit doigt, votre cinquième doigt. Toutefois, on peut la voir à l'œil nu, la coupe. Il faut se mettre bien près, mais on peut le voir. Et spontanément, qu'est-ce que l'on va voir? Eh bien, on va voir que le tissu nerveux présente macroscopiquement deux composantes. Une partie centrale qui est située donc au centre de la coupe et qui va apparaître foncée, qui va apparaître grise, en réalité légèrement brunâtre. Spontanément. Cette partie située au centre de la coupe, sur une coupe horizontale de la moelle, et apparaissant spontanément sans aucun artifice de préparation plus foncée,
va constituer ce que l'on appelle, assez logiquement, la substance grise. La substance grise correspond dans le système nerveux, et en particulier dans le système nerveux central, à des zones où l'on retrouve des corps cellulaires de neurones. Corps cellulaires de neurones. Et ainsi donc, si l'on y trouve des corps cellulaires de neurones, ça veut donc dire que la substance grise dans le système nerveux central a donc une signification de centre nerveux. Centre nerveux qui peut soit être un centre récepteur, et dans la moelle, la partie réceptrice, rappelez-vous, eh bien, va correspondre à la partie postérieure de la moelle. Il s'agira ici de la corne postérieure. La partie effectrice, les centres nerveux effecteurs, en réalité donc moteur, puisque l'effecteur du système nerveux central, c'est l'appareil moteur, va se situer en avant, c'est au niveau des cornes ventrales de la moelle. Et puis, entre la corne ventrale motrice, donc la partie antérieure motrice, et la corne dorsale sensitive de la moelle, de la substance grise, la partie intermédiaire va correspondre aux zones consacrées au fonctionnement des viscères. C'est la partie dite viscérale ou végétative de la moelle. Donc, la substance grise, centre nerveux, où l'on retrouve les corps cellulaires de neurones, vient se placer au centre de la coupe. Elle est motrice en avant, elle est sensitive en arrière, comme chez l'embryon, ici, et elle est végétative entre les deux. Au niveau de la moelle, et si vous considérez maintenant un segment de coupe, au niveau de la moelle, comme l'embryologie est très simple, la substance grise qui apparaît en forme de hache sur une coupe va constituer, sur toute la, si on considère toute la hauteur de la moelle, va constituer des colonnes de neurones. C'est pour ça qu'on parle, on retrouve parfois cette notion de colonne motrice, de colonne sensitive. Ça vient tout simplement du fait que la substance grise forme des axes tout à fait homogènes depuis le niveau cervical jusqu'au niveau le plus inférieur, le niveau coccygien. Autour de la substance grise, alors ça, ce sont des notions qui sont extrêmement simples, extrêmement basiques, mais elles sont fondamentales, il faut absolument que vous les compreniez, hein, il faut absolument l'intégrer. Autour de la substance grise, la moelle, à la coupe, spontanément, va apparaître blanche. En fait, un peu blanc nacré. Et donc, autour de la substance grise centrale, va se placer la substance blanche, périphérique, au niveau de la moelle. Dans la substance blanche, on va trouver essentiellement des fibres nerveuses. Des fibres nerveuses, alors il s'agira de millions de fibres, en fait ça représente, c'est comme un réseau électrique, en réalité ce sont des câblages. Des millions de fibres nerveuses, alors certaines de ces fibres nerveuses peuvent être afférentes au corps du neurone, hein, vous savez, un neurone, enfin vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais un neurone qui est une cellule nerveuse, alors il y a plein de formes différentes de neurones, hein. Alors, il y en a qui sont en étoile, d'autres qui sont en boule, d'autres qui sont en aplatie, enfin, peu importe, mais vous avez plusieurs types de fibres. Vous avez donc un corps cellulaire avec un noyau, et puis vous avez des expansions. Et vous savez que le neurone est une cellule qui a une activité électrique, un courant électrique qui va se déplacer, et qui va se déplacer le long de ces expansions. Lorsque le sens de circulation de l'influx
électrique neuronale se fait de la périphérie vers le corps cellulaire du neurone, la fibre neuronale va constituer donc une fibre afférente, c'est-à-dire qui va vers le neurone. On parlera dans ces cas-là d'une dendrite. Au contraire, lorsque le courant, le sens de circulation se fait du corps cellulaire du neurone vers la périphérie, c'est-à-dire qu'il part du corps cellulaire du neurone, on parlera, ça c'est un mot que beaucoup de gens connaissent, d'un axone. Et la substance blanche du système nerveux central est constituée de millions et de millions et de millions de dendrites ou d'axones, venant donc constituer des voies de passage. La substance grise, ce sont des centres nerveux. Et la substance blanche correspond à des voies de passage. Alors, ces voies dans la moelle peuvent soit venir du haut et aller vers la périphérie, ce sont donc des voies motrices par définition. On parlera de voies descendantes, puisqu'elles partent du cerveau qui normalement, et c'est la même chose dans l'hémisphère sud, est situé au-dessus de la moelle. Donc nous avons des voies descendantes qui vont donc venir du haut et descendre vers la périphérie. Ces voies descendantes sont donc par définition motrices et sur une coupe de la moelle, elles vont prendre des aspects différents, circulaires, en croissant ou plus aplatis, peu importe. Ces voies de passage descendantes, appuyer un peu plus pour que tout le monde puisse bien voir, ces voies descendantes, motrices, constituent une première modalité de circulation de ces fibres nerveuses dans la moelle, constituant des faisceaux de fibres nerveuses que l'on appelle des tractus. Ainsi, ici, je vous ai représenté, dans la partie latérale de la moelle, un grand tractus moteur qui descend du cerveau et qui va venir contrôler l'activité des muscles périphériques. C'est le grand tractus cortico-spinal qui fait partie du système pyramidal. Ça vous sera traité dans le détail. Je vous dis simplement un peu les choses. D'autres voies, au contraire, d'autres voies de passage vont circuler de la périphérie vers le centre. Elles vont donc ramener des informations du corps, rejoindre le système nerveux central, et elles vont remonter dans les cordons de la substance blanche médulaire pour venir se projeter dans les structures de l'encéphale. Ces voies qui viennent de la périphérie et qui remontent le névrax pour aller vers l'encéphale sont donc des voies que l'on appellera des voies ascendantes, au contraire des voies descendantes vues à l'instant, voies ascendantes, et donc elles sont évidemment essentiellement sensitives. Voilà. D'accord ? Les choses bêtes, mais qui sont extrêmement importantes à comprendre. Substance grise, et ça c'est vrai pour tout le système nerveux central. Substance grise, ça veut dire centre nerveux, ça veut dire qu'il y a des corps cellulaires de neurones, il y a des fonctions qui se déterminent. Substance blanche, c'est du câblage, ce sont des voies de passage qui vont connecter les centres nerveux entre eux ou avec la périphérie. Quand les voies de passage sont
effectrices, elles viennent du haut et elles descendent, ce sont les voies descendantes, elles sont motrices. Quand ces voies, au contraire, viennent de la périphérie et qu'elles apportent des informations périphériques vers le système nerveux central, elles vont remonter le névrax, ce sont des voies ascendantes. Voie motrice, voie de la sensibilité. OK ? Bon. Voici pour l'organisation générale de la moelle. Alors, si maintenant on monte un étage de plus et qu'on vient se placer dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral, en fait, se place dans le prolongement de la moelle spinale. Et comme cela avait été évoqué tout à l'heure, les phénomènes embryologiques qui constituent l'encéphale vont fortement perturber l'organisation de la moelle. Alors, vous avez ici une représentation schématique en vue latérale du tronc cérébral avec ces trois parties que l'on va pouvoir maintenant citer. La moelle allongée qui se place dans la continuité de la moelle spinale. Le pont et le mésencéphale, qui représente le troisième segment, le plus haut du tronc cérébral, et qui dérive de la vésicule mésencéphalique, dont il garde le nom. D'accord ? Bien. Globalement, le tronc cérébral, là aussi, je vous ai représenté un tronc cérébral de diplodocus acromégale. En réalité, le tronc cérébral, c'est 9 cm de haut, et 2 cm de diamètre. Donc c'est tout petit. Hein. On le représente très grand. Mais le tronc cérébral, même s'il est beaucoup plus compliqué sur le plan morphologique que la moelle, eh bien il va garder le même principe d'organisation interne. C'est-à-dire que l'on va retrouver dans ce tronc cérébral des éléments de substance grise centre nerveux et de substances blanches, voies de passage. La substance grise du tronc cérébral va constituer des noyaux, puisque les phénomènes embryologiques disloquent la structure interne du tronc cérébral. Là où dans la moelle, tout était constitué de colonnes régulières, eh bien dans le tronc, ces colonnes sont éclatées en noyaux. Ainsi, certains noyaux du tronc cérébral pourront être annexés à des nerfs qui émergent du tronc cérébral et qui sont les nerfs crâniens. Je vous en représente ici un exemple. C'est le nerf qui porte le numéro 6, peu importe pour le moment, on y reviendra, on fera les nerfs crâniens au deuxième semestre, mais simplement pour vous dire que les noyaux qui constituent les nerfs crâniens, et que vous allez apprendre, puisque vous allez faire le plancher du quatrième ventricule, vous allez faire les noyaux des nerfs crâniens, eh bien ces noyaux qui sont disloqués, qui sont dissociés dans le tronc, correspondent tout à fait exactement aux fonctions que l'on trouve au niveau des cornes de la substance grise de la moelle. C'est-à-dire que certains noyaux auront des fonctions motrices, d'autres noyaux auront des fonctions sensitives, et enfin, d'autres auront des fonctions végétatives. Mais c'est plus compliqué. Ce n'est pas tout en colonnes bien réguliers, non, c'est des noyaux qui se répartissent un petit peu partout dans le tronc. D'autres noyaux vont être des noyaux propres du tronc cérébral. Là, il y a un niveau d'organisation, un niveau de complexification un peu plus important. Vous avez des îlots de substances grises qui vont avoir des fonctions propres. Alors, vous en avez certains au niveau du pont. Vous en avez, comme ici, l'olive médulaire au niveau donc, de la moelle allongée, ou encore vous avez dans le mésencéphale
deux noyaux que l'on appelle le noyau rouge et la substance noire, ou locus niger. Alors bien sûr, je ne vous demande absolument pas de retenir ces noms, ils vous seront vus plus tard. Retenez simplement le principe de noyau propre du tronc cérébral. Ces noyaux étant par exemple, notamment le locus niger, le point de départ de la maladie de Parkinson. Donc vous avez cette substance grise, centre nerveux toujours, hein, noyau qui commande les nerfs crâniens, noyau propre du tronc cérébral, qui ont une fonction plutôt motrice, mais tous ces noyaux de substance grise correspondent donc à des centres nerveux. Enfin, la substance grise du tronc cérébral présente également des neurones qui ne sont pas constitués en noyaux, mais qui vont constituer une coulée de substance grise, un peu continue, mais c'est toujours de la substance grise, donc du centre nerveux, coulée de substance grise que l'on trouve sur toute la hauteur du tronc cérébral et qui forme ce que l'on appelle la substance réticulée en réseau, hein, substance réticulée du tronc cérébral. Vous voyez, là on a par rapport à la moelle quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Cette substance réticulée étant évidemment difficile à étudier sur le plan physiologique compte tenu de la petitesse de la structure et du fait qu'elle soit effectivement totalement répartie sur toute la hauteur du tronc. Mais quoi qu'il en soit, cette substance réticulée constitue un centre nerveux important dans le tronc cérébral puisqu'elle va avoir des fonctions à la fois motrices et aussi dans une partie importante de cette substance réticulée va contrôler l'activité cérébrale, ce qui explique dans les lésions du tronc cérébral le caractère grave de ces lésions et pour la partie ascendante de cette réticulée, le coma que l'on va pouvoir observer dans les lésions du tronc. Donc, la structure du système nerveux central s'organise en fait toujours en substance grise centre nerveux, substance blanche voie de passage, avec une organisation très linéaire au niveau de la moelle et dissociée au niveau du tronc cérébral. Concernant à présent le dernier niveau d'organisation de ces structures au niveau de l'encéphale, c'est la moelle, c'est le cerveau et le cervelet. Les deux structures sont comparables et nous prendrons pour exemple le cerveau que nous allons représenter de façon extrêmement schématique sur une coupe dans le plan frontal. Coupe dans le plan frontal, où nous allons voir que la structure cérébrale va s'organiser cette fois-ci en une substance grise et une substance blanche. La substance grise constituant une enveloppe superficielle, c'est le cortex cérébral, et formant au centre de la coupe des noyaux profonds, les noyaux gris centraux. Si l'on réalise effectivement une coupe frontale, on verra que la coupe apparaît bordée par de la substance grise, c'est-à-dire que la partie la plus superficielle du cerveau est constituée de substances grises formant l'écorce cérébrale
ou cortex cérébral. C'est ce que je vous représente ici. Écorce cérébrale ou cortex, donc constituant de la substance grise superficielle. Substance grise, donc centre nerveux. Cette substance grise cérébrale va présenter à sa surface des sillons qui sont plus ou moins profonds, plus ou moins marqués. Les sillons présents à la surface du cortex cérébral permettant en réalité d'en augmenter la surface. Cortex cérébral, c'est donc de la substance grise superficielle qui a donc une signification de centre nerveux. Au centre de la coupe, au sein de la matière cérébrale, nous allons retrouver également de la substance grise. Cette substance grise va constituer ce que l'on appelle les noyaux gris centraux. Alors, ces noyaux gris centraux, je peux les nommer, ils vous seront bien sûr rappelés lors des et redits en détail dans les cours d'anatomie descriptive du système nerveux central. Il s'agira du thalamus ou encore ici du noyau lenticulaire. Bon, à la limite, peu importe pour le moment. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que par rapport à ce qu'on avait observé tout à l'heure dans la moelle ou dans le tronc cérébral, au niveau du cerveau, la substance grise s'organise en un cortex superficiel, une écorce cérébrale superficielle et des noyaux gris centraux. Et entre ces substances, ces éléments de substance grise, centre nerveux, la substance blanche intracérébrale, va constituer des voies de passage. Et comme dans la moelle ou comme dans le tronc cérébral, cette substance blanche est constituée de millions de fibres nerveuses qui vont constituer soit des dendrites, lorsqu'il s'agit de fibres afférentes à un corps cellulaire de neurones, soit des axones, lorsque ces fibres nerveuses sont efférentes. Au niveau du cerveau, il existe également, dans la substance grise, des faisceaux qui vont relier deux zones plus ou moins éloignées de cortex, venant constituer ce que l'on appelle des faisceaux associatifs. La substance blanche intracérébrale va constituer dans la partie supérieure des hémisphères cérébraux ce que l'on appelle le centre ovale, parce que sur une coupe horizontale, la substance blanche prend une forme d'ovoïde, et un peu plus bas, lorsque la substance blanche intracérébrale va s'immiscer entre les noyaux gris centraux, cette substance blanche va constituer les capsules. On voit également que les faisceaux de substance blanche intracérébrale vont pouvoir constituer des voies ascendantes
ou descendante, lorsque les fibres nerveuses relient le cortex et les noyaux gris centraux aux structures qui seront situées en dessous, c'est-à-dire au tronc cérébral et à la moelle. Mais ces fibres nerveuses vont également emprunter les commissures dont on a parlé au début du cours pour relier, pour connecter les hémisphères cérébraux droit et gauche, puisque les deux hémisphères sont connectés et travaillent de manière synchronisée. OK ? Donc pour résumer, en fait, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Dans le système nerveux central, vous avez de la substance grise qui constitue des centres nerveux. Donc c'est là où arrivent, s'intègrent et s'élaborent les réactions propres du système nerveux. Et nous avons de la substance blanche qui constitue les voies de passage qui, donc, sont les câblages qui amènent les informations au système nerveux central, qui permettent l'effection du système nerveux ou encore qui connectent entre eux des centres nerveux, voies associatives. Dans la moelle, tout est longitudinal. Dans le tronc cérébral, les structures sont dissociées et ceci s'explique par les phénomènes embryologiques qui vont constituer la morphologie du tronc cérébral. Et au niveau du cerveau et du cervelet, on a un niveau supplémentaire d'organisation avec de la substance grise qui s'organise en une écorce cérébrale ou cortex et en noyaux gris centraux qui communiquent d'ailleurs ensemble et de la substance blanche qui s'immisce entre ces structures formant le centre ovale et les capsules. Alors, c'est au niveau du cortex cérébral que viennent se placer les neurones qui vont avoir les fonctions les plus importantes en termes d'intégration des informations sensitives, d'élaboration des fonctions motrices ou encore d'élaboration des grandes fonctions dites supérieures, les fonctions cognitives dont le développement est maximal dans l'espèce humaine. Il existe... Alors, le cortex cérébral s'organise en couches de neurones. Il existe 6 couches de neurones. Certains neurones, ce sont les neurones, les couches granulaires, peu importe, ont une signification sensitive, c'est-à-dire que certains neurones dans le cortex vont recevoir des afférences qui viennent d'en bas, d'autres neurones, au contraire, vont être effecteurs. Et puis, donc, on a des zones de cortex, vous avez ici un cerveau en vue latérale, vous avez des zones corticales qui ont plus de cellules réceptrices, d'autres zones de cortex ont plus de cellules effectrices, et d'autres zones encore de cortex ont une proportion équivalente de cellules réceptrices et de cellules effectrices. Bien. C'est dans les années 40, un Américain qui s'appelait Brodmann, qui a établi une cartographie du cortex cérébral. Et il s'agit, en réalité, d'une classification que l'on appelle cyto-architectonique. Classification cyto-architectonique du cortex. Avec, on vous enseignera ça en physiologie, avec une cartographie, comme un planisphère, une carte du monde, qui porte des numéros. Alors, on a, je ne demande bien sûr pas de les retenir, des numéros, par exemple, 4 ici au niveau du lobe frontal. On a, comme ça, toute une cartographie
avec donc des zones. Et ces zones de Brodmann correspondent à des fonctions particulières. Par exemple, on sait que la zone numéro 4 qui se trouve dans le lobe frontal et que je vous représente ici, que je souligne ici en rouge, eh bien, va correspondre à la zone de départ de la voie motrice volontaire principale, la voie pyramidale. Ou encore, juste en arrière, ici dans le lobe pariétal, je la représente en bleu, un ensemble de trois aires décrites par Brodmann qui portent les numéros 3, 1 et 2 vont correspondre à la zone sensitive principale, c'est-à-dire la zone du cortex où se projettent les informations sensitives. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Sachez qu'il y a deux choses à savoir sur cette organisation systématique du cortex. C'est que cette classification de Brodmann correspond à une classification histologique, c'est-à-dire cyto-architectonique. Brodmann n'a pas mis d'électrodes dans des cerveaux pour voir si effectivement ça c'était du moteur, ça du sensitif, ça du visuel ou autre simplement. Il a fait des prélèvements corticaux, les a regardés au microscope et a remarqué que certaines zones avaient plus ou moins de certains types de neurones et donc il a décrit cette cartographie uniquement sur des critères histologiques. Et le deuxième point est la manière dont on va, pour déterminer la systématisation du système nerveux central, le fonctionnement du système nerveux central, il y a deux manières de raisonner. On peut raisonner en termes de neuroanatomie lésionnelle, c'est-à-dire que l'on va observer une lésion, par exemple une lésion d'accident vasculaire cérébral, d'AVC, sur une zone, par exemple ici, là où je mets l'astérisque, et cette zone provoque une paralysie contralatérale. On en déduit que cette zone est motrice. Ça, c'est de la neuroanatomie lésionnelle. On lèse une zone, on observe un symptôme, on en déduit la fonction. C'est la neuroanatomie lésionnelle telle que Paul Broca, au XIXe siècle, l'avait faite. Et puis, on peut faire de la neuroanatomie, on va dire, de laboratoire. Ça, c'est la neuroanatomie moderne. Il faut savoir que cette neuroanatomie d'expérimentation en laboratoire est une neuroanatomie qui se fait chez l'animal, essentiellement chez les rongeurs, et que le cerveau d'un rat est probablement différent, en tout cas moins complexe dans son organisation, que le cerveau humain. Et donc, il est important de savoir que les travaux qui sont faits en laboratoire sur l'animal et qui sont extrapolés à l'homme, considérant qu'il y a des proximités, ce qui est probablement vrai en grande partie, ne l'est pas toujours pas toujours complètement en tout cas. Et donc il est important de toujours prendre du recul et de faire une juste part des choses entre l'observation qui est faite chez l'animal et l'extrapolation que l'on pourra faire sur un cerveau humain dont l'organisation est plus compliquée. Quoi qu'il en soit, les cours de neuroanatomie qui sont enseignés dans les facultés actuellement sont essentiellement, et donc les cours sur les grandes voies, les cours de systématisation, sont essentiellement basés sur des observations cliniques et donc relèvent pour beaucoup de la neuroanatomie lésionnelle, ce qui a aussi l'avantage de faire retomber sur ses pieds quand plus tard on étudie la sémiologie, c'est-à-dire les signes cliniques des maladies qui atteignent le système nerveux central. Voilà donc pour ce que je voulais vous dire à propos de l'organisation générale du système nerveux central. Passons maintenant à quelques définitions générales, quelques notions générales du système nerveux périphérique. Là aussi, ce sont des choses intéressantes, importantes,
des généralités qui vont vous permettre de mieux comprendre probablement les cours d'anatomie descriptive des membres qui vont vous être faits et qui vont aller très vite. Concernant le système nerveux périphérique, c'est-à-dire les nerfs en dehors du système méningé, en dehors des enveloppes méningées. Le système nerveux périphérique se distingue, enfin, présente deux parties, une partie somatique et une partie végétative. On désigne par système somatique le système nerveux volontaire, c'est-à-dire celui qui est le système, qui est sous la dépendance de la volonté, ça c'est une tautologie, bien sûr, mais qui donc constituera l'intégration des informations sensitives externes et le développement du mouvement volontaire ou automatique. Et puis on a à côté de ça le système végétatif qui va être essentiellement le système de régulation du fonctionnement des viscères, c'est-à-dire celui qui est en dehors du contrôle de la volonté, mais bien entendu dont le fonctionnement est indispensable au fonctionnement du système nerveux volontaire. Le système nerveux somatique, ou système nerveux volontaire, est constitué de nerfs périphériques et de ganglions nerveux. Ces nerfs périphériques et ganglions pouvant naître soit dans l'encéphale, soit au niveau de la moelle spinale. Lorsque les nerfs périphériques naissent du tronc cérébral, ils constituent ce que l'on appelle les nerfs crâniens, et leur description anatomique est compte tenu de la disposition de l'anatomie de la région de la tête et du cou est fort complexe, d'autant plus que les centres nerveux qui soutiennent leur fonctionnement sont éclatés en plein de noyaux, ce qui rend leur compréhension plus compliquée. Mais il faut bien vous rappeler et bien comprendre que même si c'est plus compliqué, ces nerfs crâniens qui naissent du tronc cérébral reposent exactement sur les mêmes principes que les nerfs qui sont situés un peu en dessous, c'est-à-dire ceux qui naissent de la moelle, et qui sont bien sûr plus simples à comprendre dans la mesure où l'organisation des structures nerveuses intramédulaires est plus linéaire. Les nerfs qui émergent de la moelle spinale sont les nerfs spinaux, comme leur nom l'indique. Et ces nerfs spinaux vont émerger de la moelle spinale à des niveaux réguliers depuis l'étage cervical de la moelle jusqu'à sa partie la plus distale, c'est-à-dire l'étage sacré et coccygien. On a ainsi 8 nerfs spinaux de chaque côté, puisque c'est bien sûr pair et symétrique, je ne représente pas les deux côtés, 8 nerfs spinaux, 8 paires de nerfs spinaux cervicaux. Nous avons ensuite 12 paires de nerfs spinaux thoraciques, 5 paires de nerfs spinaux lombaires ou lombaux, 5 paires de nerfs spinaux sacrés ou sacraux et un nerf spinal coccygien variable. Alors, ne vous plantez pas, hein. Il y a 7 vertèbres cervicales, mais 8 nerfs spinaux cervicaux. C'est un QCM classique, je fais de la prévention. Bien, si l'on
reprend une demi-coupe de la moelle spinale, c'est la coupe horizontale que nous avions construite tout à l'heure. Si l'on fait passer la coupe par l'émergence d'un nerf spinal, on voit que un nerf spinal se constitue de deux racines, une racine ventrale, une racine ventrale je rappelle, l'avant est ici, la droite est ici, c'est une vue inférieure. Racine ventrale qui répond à la corne ventrale de la substance grise de la moelle qui, comme vous le savez à présent, est motrice. Et donc la racine ventrale est purement motrice. Et vous avez en arrière une racine dorsale postérieure qui est renflée par un ganglion spinal, racine dorsale renflée d'un ganglion spinal qui répond à la corne dorsale de la substance grise de la moelle et qui par conséquent est motrice et sensitive, pardon. Racine ventrale, racine dorsale. Les deux racines fusionnent pour donner naissance au nerf spinal. Nerf spinal qui va sortir du canal vertébral pour donner deux rameaux, un rameau ventral et un rameau dorsal, les rameaux des nerfs spinaux étant mixtes, moteurs et sensitifs, le plus souvent. Alors, ça, c'est la constitution du nerf spinal tel qu'il émerge au niveau de la moelle. En clinique, quand on parle d'un niveau d'innervation, d'un niveau médulaire, on parle de racines. On dit que telle structure correspond à la racine C8. En réalité, si l'on revient un instant ici sur la moelle, l'émergence de chaque nerf spinal va correspondre, va faire apparaître un segment de moelle, un segment médulaire, qui va correspondre à ce que l'on appelle un myélomère, qui va donc tenir sous sa dépendance un territoire périphérique spécifique. Et en clinique, la notion de racine, quand on dit qu'on explore telle racine, ça correspond en réalité à un niveau médulaire. Sur le plan anatomique, la racine n'étant qu'un constituant du nerf spinal. Bien. Donc, le système nerveux somatique, le système périphérique somatique, naît de la moelle en formant un certain nombre de nerfs spinaux de chaque côté. Un peu après leur émergence, les branches de division antérieure des nerfs spinaux, les rameaux ventraux des nerfs spinaux, vont réaliser un système d'échange de fibres, un système d'anastomose. Un système d'anastomose où ces rameaux ventraux de nerfs spinaux vont échanger des fibres venant constituer des faisceaux, des troncs, et desquels émergeront des nerfs terminaux. Ces systèmes d'échange entre rameaux ventraux de nerfs spinaux constituant
des plexus. Il existera ainsi un plexus cervical pour la région de la tête et du cou, le plexus brachial pour le membre supérieur, et un peu plus bas, les nerfs spino-lombaires et sacrés vont constituer des plexus lombaires, lombo-sacrés, sacrés, pour le membre inférieur. Et ceci explique, alors c'est comme ça, hein, ceci explique la différence entre niveau médulaire et territoire tronculaire. Je m'explique. Si on prend un embryon au départ, avant que les membres n'apparaissent, et si on prend le névrax, alors vous avez les vésicules en avant et la moelle en arrière. Au départ, la moelle se segmente en nerfs spinaux et chaque nerf spinal, chaque niveau médulaire, correspond schématiquement à une tranche d'embryon. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le métamère. Et le métamère étant le territoire périphérique, moteur ou sensitif, correspondant à un niveau médulaire, c'est-à-dire un myélomère. C'est compris, ça ? Bien. Lorsque les membres se développent, le membre supérieur et le membre inférieur, ces membres constituent des bourgeons, bourgeons qui apparaissent à la face latérale de l'embryon. Vous avez un bourgeon pour le membre supérieur, un bourgeon pour le membre inférieur. Et ce bourgeon, c'est comme un phénomène de morphing. Ça forme une vésicule qui va s'allonger progressivement jusqu'à former un membre. Et ces bourgeons vont étirer les métamères. C'est pour ça que, et vous verrez ça avec M. Duparc, pour ça que les niveaux métamériques au niveau des membres ne sont pas segmentés en tranches, mais correspondent à des bandes étendues le long de l'axe du membre. Ça vient de l'embryogenèse. Ça, c'est la première chose. Et comme il existe un système de plexus, eh bien, un nerf issu d'un plexus peut être constitué de fibres nerveuses provenant de plusieurs niveaux médulaires. Je prends un exemple, ne le retenez pas, mais le nerf radial, qui est le nerf de l'extension du membre supérieur, provient essentiellement du septième nerf spinal cervical, mais il y a une participation de C5, de C6, de C7, de C8 et un peu de TH1. Et donc, le territoire, l'ensemble des muscles ou de la peau dépendant du nerf radial est différent d'un niveau médulaire puisque ça dépend de plusieurs niveaux. Donc il y a une notion de territoire médulaire, une notion de métamère et de myélomère. Ça, c'est lié à la somme des éléments périphériques qui sont intégrés à un niveau de fonctionnement de la moelle. Et il y a la notion de territoire tronculaire qui résulte de l'existence de ces plexus, qui fait qu'un nerf va commander un certain territoire qui peut correspondre à, et qui va le plus souvent d'ailleurs au niveau des plexus, correspondre à plusieurs niveaux médulaires. D'accord ? Bien. Pour terminer, donc ça c'était, donc voilà, donc évidemment ces nerfs périphériques vont vous être enseignés au deuxième semestre dans le cadre de l'anatomie des membres. Un tout petit peu de... On a pratiquement terminé, il nous reste un tout petit peu de temps pour terminer ce cours et parler un peu du système végétatif. Donc, les nerfs vont vous être enseignés avec, au deuxième semestre dans le cadre des membres et bien sûr le
cours va relativement vite, puisqu'on est obligé de faire tout le plexus et tous les troncs en une séance. Simplement, je pense que si vous intégrez ces notions très simples d'anatomie générale, ça vous sera plus simple d'intégrer et de mémoriser ces territoires qui sont importants, puisque la connaissance de ces niveaux médullaires et tronculaires est la base de l'examen neurologique en médecine. Voilà, donc ça c'est... Alors, aussi, ce système périphérique, ce système somatique des nerfs, du système nerveux volontaire, est un système qui est relativement simple à étudier parce que les nerfs somatiques sont des gros nerfs le plus souvent. Le nerf ischiatique, par exemple, le nerf sciatique, gros volumineux nerf du membre inférieur, est un nerf qui a la taille d'un index en calibre. Donc ce sont de très gros nerfs. Et globalement, les nerfs des membres sont des grosses structures qui sont relativement simples à disséquer, qu'on peut d'ailleurs réparer chirurgicalement, et donc dont l'étude et la compréhension est assez simple à réaliser. À côté de ce système nerveux somatique, qui va donc contrôler les muscles striés, intégrer les informations sensitives externes, du milieu extérieur, un dernier système constitue le système nerveux végétatif. Ce système nerveux végétatif, au contraire du système nerveux somatique, qui est un système macroscopique, assez simple à mettre en évidence à la dissection, le système nerveux végétatif va lui constituer un système beaucoup plus diffus qui va contrôler le fonctionnement des viscères de l'organisme échappant à la volonté. Système beaucoup plus diffus, constitué de nerfs extrêmement fins, qu'on ne voit le plus souvent pas à l'œil nu, et qui constituent des lacis nerveux mélangés à de la graisse, mélangés à du tissu conjonctif, qu'on va trouver dans les régions profondes du corps, en particulier dans les régions profondes du tronc, du thorax, de l'abdomen et du petit bassin. Et le caractère diffus du système nerveux végétatif explique d'abord que la connaissance de sa systématisation fine est moins importante, moins aboutie que celle du système nerveux somatique, plus facile à étudier parce que plus simple à mettre en évidence, et explique aussi en chirurgie ou en traumatologie, certaines conséquences qui relèvent de l'aléa compte tenu du caractère très difficilement individualisable à la dissection de ce système et de sa grande variabilité. Le système nerveux végétatif va contrôler beaucoup de fonctions, parmi lesquelles on retrouvera bien sûr tout le fonctionnement des viscères, viscères du thorax, viscères de l'abdomen, viscères du cou, et aussi va contrôler des fonctions comme la vasodilatation ou la vasoconstriction des vaisseaux de la peau, ou encore contrôler le système que vous connaissez tous, qui est celui de la chair de poule, ou quand on a les poils qui s'hérissent. Voyez, tout ça, ça relève du système nerveux végétatif. Alors, de façon très simple et très synthétique, voilà comment on peut résumer l'organisation de ce système, dont nous allons faire le choix de ne représenter que la partie viscérale, puisque, malgré tout, le but principal du système nerveux végétatif, c'est de contrôler les viscères. Alors, pour ça, nous allons placer une coupe horizontale schématique d'un individu dans laquelle on placera la moelle spinale, donc le système nerveux central, qui correspond donc au centre nerveux dans lesquels on va trouver le système végétatif. On va placer ici un vaisseau, on va placer en l'occurrence l'aorte, puisque on va retrouver un nombre important de structures du système nerveux végétatif dans les
espaces profonds du tronc au contact des gros vaisseaux de l'abdomen. Et puis, nous allons placer un effecteur du système nerveux végétatif, c'est-à-dire un viscère, celui que vous voulez, l'estomac, le gros intestin, le pancréas, un rein, peu importe. Ça marche pareil pour tous les organes. Globalement, nous plaçons ici de façon schématique la paroi de l'abdomen. Globalement, l'organisation du système nerveux végétatif va se faire au niveau de trois centres nerveux. Un premier centre nerveux qui est latéro-vertébral, c'est-à-dire des ganglions végétatifs situés de part et d'autre des bords de la colonne vertébrale, du rachis. Un deuxième niveau d'organisation, un deuxième niveau de centre nerveux va se placer au niveau des gros vaisseaux de l'abdomen, en avant de la colonne vertébrale. On parle de ganglions végétatifs prévertébraux. Niveau prévertébral. Et enfin, un dernier niveau d'organisation, un troisième centre nerveux végétatif, se place dans les viscères effecteurs. Il s'agit de ganglions végétatifs pré-viscéraux. Donc vous avez trois niveaux d'organisation du système nerveux végétatif. Un premier qui est de part et d'autre de la colonne vertébrale, le niveau latéro-vertébral. Un deuxième niveau qui est prévertébral, habituellement satellite des gros vaisseaux du tronc. Et un troisième niveau qui se situe dans les parois des organes, niveau prévisceral. Le système nerveux végétatif va présenter deux composantes. Les noms vous sont peut-être connus, une composante sympathique et une composante parasympathique. Nous pouvons, pour placer l'origine de ces différents systèmes, proposer un schéma de systématisation très... je vais simplifier à l'extrême ce système. Schéma de systématisation plaçant le système nerveux central, puisque c'est là qu'on va trouver les centres nerveux, avec le tronc cérébral en haut et la moelle spinale en bas. Et nous allons placer également un segment de la chaîne sympathique latéro-vertébrale, qui est un ensemble de ganglions sympathiques reliés par des relais interganglionnaires. C'est cette chaîne sympathique latéro-vertébrale que l'on a définie comme le niveau 1 latéro-vertébral de l'organisation du système nerveux végétatif. Le système sympathique, on va le représenter en orange, prend son origine au niveau exclusivement de la moelle spinale. On retrouve les centres nerveux entre les niveaux médullaires C1 et L3, et ces niveaux correspondent aux zones intermédiaires situées entre la corne ventrale motrice et la corne dorsale sensitive de la moelle. De là, les fibres nerveuses sympathiques vont rejoindre les chaînes sympathiques latéro-vertébrales par l'intermédiaire de petits nerfs qui relient les nerfs spinaux aux chaînes sympathiques latéro-vertébrales. Ce sont les rameaux communicants.
Au niveau des chaînes sympathiques latéro-vertébrales, le neurone qui se situe dans le centre sympathique médulaire va faire relais avec un deuxième neurone qui va quitter la chaîne sympathique latéro-vertébrale, premier niveau d'intégration du système nerveux végétatif, pour rejoindre les centres végétatifs pré-vertébraux. Et ces centres pré-vertébraux, on les trouve, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus souvent en regard des gros vaisseaux du rétropéritoine, de l'abdomen, du tronc. Donc nous allons représenter ici un segment d'aorte avec une artère viscérale, celle que vous voulez, qui va venir vasculariser, apporter donc du sang artériel à un viscère, ici un segment d'intestin, par exemple. On peut le représenter comme ça. De là, donc la chaîne sympathique latéro-vertébrale va être reliée au ganglion végétatif pré-vertébraux que l'on trouve donc satellite, qui forment des condensations de tissus nerveux autour des gros vaisseaux du rétropéritoine, où cette fibre sympathique va transiter et va ensuite se prolonger par des petits nerfs qui sont satellites des vaisseaux, qui sont indissécables, qui sont présents dans la paroi externe des vaisseaux. Et c'est donc en accompagnant les vaisseaux sanguins que ces nerfs sympathiques quittent le relais latéro-vertébral, traversent les plexus pré-vertébraux pour rejoindre leur effecteur. Le nerf qui relie la chaîne sympathique latéro-vertébrale au ganglion pré-vertébraux porte le nom de nerf splanchnique pour splanchnos, le viscère, et les petits filets qui quittent les ganglions prévertébraux pour gagner les viscères porteront le nom de nerfs viscéraux. Le système nerveux parasympathique, qui est l'autre composante du système nerveux végétatif, prend son origine à deux endroits dans le système nerveux central. Il y a un gros centre parasympathique dans le tronc cérébral et un petit centre parasympathique sacré au niveau des racines S2, S3 et S4. Le centre parasympathique, le centre végétatif parasympathique, crânial, celui qui correspond donc qui se situe dans le tronc cérébral, est annexé à des nerfs crâniens dont je ne vais même pas citer les noms, on les reverra plus tard, mais le principal de ces nerfs crâniens qui va véhiculer les fibres parasympathiques issues du tronc cérébral, c'est le nerf vague, dixième nerf crânien, je le représente ici. Ce nerf vague, traversant la région cervicale, traversant la région thoracique et venant se terminer dans les ganglions pré-vertébraux de l'abdomen. Ces ganglions pré-vertébraux seront également alimentés au niveau du pelvis, par des filets issus des racines S2 à S4, formant les nerfs érecteurs. De là, ces fibres parasympathiques, qui arrivent donc essentiellement par le nerf vague dans les
plexus pré-vertébraux. Vont traverser ces condensations nerveuses prévertébrales et vont alors rejoindre les nerfs viscéraux, tout comme les fibres parasympathiques, et accompagnant les vaisseaux, vont rejoindre les organes où ces fibres parasympathiques vont rejoindre le troisième niveau d'organisation du système nerveux végétatif, c'est-à-dire les ganglions qui sont situés dans les parois des viscères. Ce sont les ganglions pré-viscéraux où se trouve le deuxième neurone parasympathique permettant donc au système parasympathique d'agir sur les viscères. Voilà. Donc vous avez... Oui, c'est un mot quand même pour dire à quoi ça sert et je m'arrête. Donc voilà comment se fait l'organisation du système nerveux végétatif. Vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus, qui est un peu compliqué puisque ça s'adresse à l'ensemble des viscères du corps. Alors, à quoi sert ce système? Globalement, quand vous êtes au repos absolu, vous êtes sous influence du système parasympathique. Le système parasympathique est le système du repos. Vous voyez, on est dans des choses qui sortent du mouvement volontaire ou du système volontaire. Au repos, vous respirez calmement, vous avez de petites amplitudes respiratoires, le cœur bat lentement, il ne se contracte pas trop vite, vous avez les pupilles qui sont contractées, vous avez les vaisseaux sanguins cutanés qui sont dilatés, et quand vous êtes au repos, vous pouvez également évacuer les matières fécales et l'urine. Vous voyez que le système végétatif touche énormément de fonctions. C'est le système de base. Le système nerveux sympathique, correspond au système du stress. C'est-à-dire, c'est le système qui va se mettre en place, alors chez l'animal, quand il faut se battre ou quand il faut fuir, par exemple. Et donc, ce système qui va être l'antagoniste du système parasympathique, va contrôler des fonctions telles que l'augmentation de la fréquence respiratoire, puisque pour se mettre en mouvement, en réalité, il faut respirer. Donc, vous allez avoir une dilatation des bronches, vous allez respirer plus vite, vous allez avoir le cœur qui s'accélère, qui va battre plus fort, vos pupilles vont se dilater pour augmenter votre champ de vision, et vous allez inhiber les fonctions motrices digestives, puisque quand vous êtes stressé, vous ne pouvez pas évacuer vos viscères digestifs ou urinaires. Donc, vous voyez que ce système végétatif est un système complexe qui permet, échappant au contrôle de la volonté, le fonctionnement de l'ensemble des viscères du corps. Voilà ce que je voulais vous dire à titre d'anatomie générale et d'introduction au système nerveux central. Bien sûr, toutes ces notions seront réutilisées à chaque cours. Et donc, quand vous ferez les cours de neuroanatomie spécifique, pensez toujours à revoir ces schémas très généraux. Merci de votre attention.